Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo sur Madventure, bien sûr, en partenariat avec OMG Serve. Je vous le rappelle, vous avez 5% de réduction sur tout OMG Serve en passant par le lien en description. Surtout n'hésitez pas les amis, OMG Serve pour vos serveurs Minecraft, mais pas seulement, également les VPS, serveurs TeamSpeak pour ceux qui sont encore sur TeamSpeak et Mumble. N'hésitez surtout pas, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec, vous reconnaissez derrière moi, eh bien notre magnifique maison bleu et rose avec le cratère. Bon, les chunks tout sont pas chargés, mon ancienne maison en tout cas juste ici, et donc cette curiosité juste en dessous de nous. Alors je suis sur une montgolfière, souvenez-vous, la montgolfière qui est donc dans les airs au-dessus de cette zone protégée. Vous savez, ici c'est la zone protégée, on ne savait pas à qui appartient cette base. Moi j'avais fait mes spéculations, j'avais dit que c'était L7C Fox qui était derrière tout ça, et il s'avère que j'avais bel et bien raison les amis, voilà. Donc par contre là on a de la nouvelle, je sais pas s'il y a de la nouveauté ici, mais c'est absolument magnifique. Alors je suis donc sur la fameuse montgolfière, tant bien que mal j'ai réussi avec mes Elytra à y aller. Je vais voilà essayer de rentrer là-dedans. L7C Fox m'avait dit qu'en fait il y avait des indices dans la montgolfière, donc c'est bel et bien Fox qui était derrière tout ce projet, absolument magnifique. D'ailleurs on va faire un tour parce que vraiment il s'est gavé, hein. Vraiment il s'est vraiment gavé. Est-ce que je vais réussir? Désolé hein, je casse la montgolfière, heureusement. Heureusement ce ne sont que des cubes. Comment je vais faire moi? Par là. Oui je vais faire ça, ah bah non je vais casser son truc là, ce serait bien dommage. Comment je vais faire? Bon bah écoutez c'est pas grave. On va essayer. Putain. Là maintenant. Voilà. J'en ai chié, hein, donc je suis assez content. Où est l'indice? Il n'y a pas d'indice, frérot. Il avait dit qu'il y avait un indice dans la montgolfière, mais il n'y a que dalle. Ah si, attendez, il y a une échelle. Ah, montgolfière, Madventure, création 2023, by L7C Fox. Incroyable, avec un petit bouton ici. Ah, d'accord. Très bien, donc voilà, c'est bel et bien Fox qui est derrière tout ça. Donc on va un petit peu... merde, les Elytra. On va un petit peu voir les avancées. Ouah, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique. Oh, il a fait un petit chemin. Attendez, on va prendre le chemin. Il a fait un petit chemin pour aller jusqu'à chez My Godness ici. My Godness, d'ailleurs, ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur le serveur. C'est bien dommage. Voilà, bon, c'est pas le seul, hein. Mais c'est vrai que du coup, sa maison n'a pas continué. Ah ouais, il a vraiment fait un petit chemin, là. Tout mignon, tout sympa. Avec... Oh, mais Fox, il se régale. C'est plus Madventure, c'est Foxventure. Incroyable, très très bonne idée. Donc avec le village là-bas, village qui a été rénové. Alors je dirais pas rénové, mais je sais que Fox avait fait quelques petites choses. On va pas spécialement voir, parce que y a rien de... Je sais plus qu'est-ce qu'il a fait. Je crois qu'il avait repeuplé les villageois. Enfin repeuplé, moi j'avais ma machine à villageois, mais de reproduction de village, de villageois, mais je crois qu'il avait rajouté des portes ou je sais pas quoi, parce qu'en gros le village a été un petit peu détruit entre temps depuis sa rénovation. Hein, je vous rappelle, durant l'aventure solo, on avait rénové justement le village avec Dragon Alpha. Dragon Alpha d'ailleurs, vivement qu'on se retrouve. Bon, donc voyons voir un petit peu tout ça. On ne sait toujours pas à qui appartient ce caca là-bas par contre, hein. Je ne sais pas du tout pourquoi il y a un caca là-bas. ça me fume parce qu'au début, souvenez-vous, je pensais que c'était Fox qui avait fait ça. Bah, si j'avais su des talents cachés de Fox à faire ça, je n'aurais pas fait cette vanne. Alors, nous avons donc magnifique, hein, je ne sais pas ce que ça représente. Domaine de L7C Fox, sois le bienvenu. Merci. Oh, avec une petite carte ici là. Très bien. Plage, terrasse, snack, piscine, passage 20 000 lieues sous la mer bientôt. En bout d'aller à gauche, en bout d'aller à droite, petit pont, le cousteau, bateau Blackbird, accès au phare de Chassiron, réserve naturelle. Allez, on va suivre le chemin. Oh, le petit enclos de chance et gadget. Ah, voici chance, voici gadget. Incroyable. Bonjour à vous. Un petit pont ici. C'est gigantesque le truc là, je vais encore me perdre. Donc là-bas c'est un peu la réserve naturelle. Ouais c'est sa réserve naturelle. Donc là je ne crois pas que ça ait bougé. Mais regardez-moi cette beauté, attendez j'enlève le F1. Voilà, regardez-moi comment c'est magnifique. C'est vraiment... C'est toujours dépaysant de voir ça. Toilette sèche, bon ça on avait déjà vu.
précédemment, donc on va pas s'attarder là-dessus, les amis. On va vraiment regarder ce qu'on n'a pas encore découvert ensemble. Donc, petit enclos à poulet ici, également cochon, mouton, la ferme aux animaux. On va suivre ce petit chemin là. Il a déjà des trucs de poterie, quoi, incroyable! Incroyable! Donc, le petit porc, le cousteau et le blackbird. Donc voilà, les petits bateaux et le gros navire juste ici. Oh, c'est vraiment chouette. En plus, c'est vraiment mis à quai avec... mis à quai, pardon, je me suis cru en camion. Hein. mis à quai, bah si, ça se dit aussi, non? Mis à quai en bateau, je crois, non? Je sais pas, j'ai aucune idée. Aucune idée, est-ce qu'il s'est mis à contre-main ou... Bon, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et par ici, voyons voir, donc on a... là, ça fait le tour par derrière. Très bien, et puis là on peut monter les petits escaliers. Je sais plus du tout si on avait regardé ça en vidéo ou pas, pour être honnête. C'est possible, à chaque vidéo on fait le même circuit, je suis désolé. Mais c'est possible qu'on ait déjà vu ça. Mais ça fait toujours du bien, voilà, ça fait toujours du bien. Ah si, maintenant il y a une petite salle des coffres. Ah ouais, plutôt pas mal. Donc, non je rigole, je vais lui remettre son diamant. Je sais plus où c'est que c'était par contre, donc je vais lui laisser là. Oui, je crois que c'était là. Voilà, très bien, avec une belle petite vue. À tout moment là, il peut me voir. Pas du tout, c'est bon, je suis safe. Ah si, là, il peut me voir LeBron James un petit peu là. Ah si, là, il peut voir. Là. Il peut voir ma tub. Oh, m'a fait peur lui. Voilà, très bien. Petit rose et bleu pour Miss et Fox, bien sûr. Là, c'est la doudouche. Ah, c'est chouette. Hein. Vraiment chouette. Et le phare, bien sûr, le phare de la Vallière juste ici. Incroyable. On est déjà passé par là. Voilà. En fait, il n'y a rien de nouveau, en fait. Je croyais qu'il y avait des trucs nouveaux, mais... Ou alors, je me souviens plus exactement. Bah si, il y a ça qui est nouveau là-bas, la statue. La statue sur le... Bah pareil. Héphaïstos, dieu du feu. D'accord. Pas mal. Là, je suis dans son entrejambe. Pardon. Très bien, d'accord. Ah bah c'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Hop. Voilà, le MLG, je suis toujours fort à Minecraft les gars, faut pas croire. Hein. Ok, ça fait plaisir. Bon, on va pas forcément rentrer chez Théo Camillo, mais c'est juste pour voir s'il y a eu du nouveau ou pas. Moi j'ai vu que Roros s'est beaucoup connecté ces derniers temps, donc il a dû faire pas mal de choses qu'on va aller voir. Donc là c'est pour aller chez moi, hein, là-haut. Mais là je pense que rien n'a vraiment bougé. À vos risques et périls. Donc là c'est le Nether. Je pense que rien n'a vraiment bougé. J'ai vraiment hâte de reprendre des lives. Hein. J'aimerais vraiment pouvoir reprendre des lives, les gars. Restez à l'affût sur Twitch, les copains. Ça peut popper à tout moment, hein, vraiment. Alors, pas sur Minecraft, pour le coup. Mais sur d'autres jeux. Voilà. Genre un let's play sur un jeu de Rockstar Games. Ça peut être pas mal, par exemple. Alors, voilà. Ceci étant dit, ceci étant fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Un salon textuel dans le Discord de Mkolo. Nous sommes en grève. Grève, nous voulons un salon texte Discord. Ah, d'accord. Eh bien, d'accord. J'ai compris le message. Ouais, le mec, il est tout seul. Hein. Le mec qui a fait ça, il est solo. Les autres, ils s'en battent les couilles. Hein. Ouais, je ferai un salon textuel pour vous, les copains. Vous inquiétez pas. Je suis mort de rire. Voyons voir un petit peu par là-bas. J'ai un lit sur moi. J'ai pas de lit sur moi parce que là, le soleil va se coucher. Donc, c'est un peu chiant. J'aimerais bien pouvoir dormir comme bon me semble. Pour éviter qu'il fasse nuit durant le reste de la vidéo. Je regarde si j'ai pas un bed qui traîne dans le coffre. Non mais c'est pas grave, je vais pouvoir me le crafter quand même. J'avais commencé à faire un semblant de rangement, hein, vous avez vu. Mais bon, la flemme m'a vite envahi. Pour être honnête avec vous. Parce que vraiment, vous le savez, je ne joue plus vraiment au jeu. Hein. Voilà, je suis un peu devenu inactif. Mais c'est un plaisir de voir les acolytes s'amuser. Et moi, c'est un plaisir d'aller un petit peu voir... Les avancées, bien sûr, grâce à OMG Serve, je le rappelle, évidemment, qui nous font ce plaisir et ce privilège. Voilà, on va juste regarder la map monde si elle a bougé ou pas, parce que là c'est Roros qui s'en occupe. On va voir, et si ça a pas bougé, dans tous les cas, à mon avis, il a dû faire pas mal de choses dans sa base. À chaque fois, je me fais avoir ici. Voilà, on va pouvoir dormir. Non, pas encore. Rien n'a bougé, voilà, rien n'a bougé, c'est comme avant. C'est comme avant. Et on va aller chez Roros, mais vous savez quoi, on va pas prendre le Nether. On va vraiment se faire un tour de nostalgie. On va y aller à pied. Et en prenant le bateau. Parce que ça va nous rappeler la bonne époque. Hein. En live et tout, on est beaucoup passé par là en bateau. Hein. Donc c'est absolument exceptionnel. Voilà, on va y aller les amis. On va aller chez Roros le boss. À coup d'Elytra et à coup de bateau. À l'ancienne, j'ai envie de te dire.
Voilà, parce que finalement il est pas si loin que ça, quoi. Alors faut juste retrouver la sortie à chaque fois, c'est un calvaire. Roros, c'est quand tu veux. Ah voilà, pardon, excuse-moi, Roros, je ne voulais pas m'emporter tel quel. Voilà, allez, j'ai 11 feux d'artifice, ce sera suffisant pour la partie terre. La partie mer, évidemment, prendra un bateau. Donc voilà, le fameux village qui a été un petit peu rénové, pas tant que ça. Ouais, c'est bon. Très bien. Très très bon ça. On va suivre évidemment le petit cours d'eau. Impeccable. Là, ça va rappeler évidemment les débuts de la série, les débuts de l'aventure, absolument magnifique. On a quand même passé du bon temps et je suis un peu comme d'habitude, moi c'est mon problème, je suis très souvent nostalgique, même pour des périodes qui sont pas forcément récentes. Enfin, qui sont justement récentes, je veux dire. Je suis nostalgique de trucs qui datent d'il y a 2 mois par exemple. Bon, là c'est pas le cas. Mais je suis vraiment nostalgique de la fin de l'année dernière, vraiment, où on faisait des lives sur MadVenture et j'étais très heureux. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, là il y a du build. Là il y a du build, mon pote. On est en quoi comme coordonnées là? Merde, j'ai fait un screenshot. Ah ouais, on est déjà en coordonnées moins. Putain, mais ça va vite en fait. Ça va vite. Moi je pensais que j'étais à l'autre bout du monde en fait, mais pas tant que ça. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, j'ai que. Qu'est-ce que c'est que cette curiosité, je veux dire. Nous avons un début de construction. Voilà, bon, ça à mon avis c'est un novice à Minecraft. Hein. Non, je suis un connard. Je rigole, c'est un peu une ruine, un peu un temple, on dirait bien. Je pense que c'est quelqu'un qui veut un petit peu créer de la vie, à mon avis. C'est pas forcément une maison. Oula. Alors attends, ni vu ni connu. J'avais pas vu la porte. D'accord. Je m'excuse à la personne à qui j'ai dit que c'était de la merde. Hein. Je ne sais pas. Pourquoi il y a un escalier en terre ici alors qu'il a mis des. Ah, parce qu'à mon avis il est en train de construire tranquillement. Bon, d'accord. Bon, ben c'est pas mal! C'est pas mal! C'est un bon début. Qui pourrait faire ça? Ah, c'est peut-être. Ça pourrait très bien être Mister Happy. Et pourquoi pas? Si ça se trouve, c'est Mister Happy. Voilà. Alors, bon, toutes les épaves ont déjà été fouillées, hein, souvenez-vous, bien sûr. Alors, c'est bien de vouloir faire un bateau. Ah, si, je peux faire, putain, je peux faire un bateau rose! Incroyable! Ça, c'est stylé, ça! Ça me plaît! Voilà! Hop! On mange un petit peu. Toujours prendre des forces avant une longue expédition. Hop, directement. Et on va prendre le bateau. Et donc on va partir dans la direction là-bas. Il faut pas aller là-bas, il faut vraiment aller là-bas. Et dès qu'on verra le biome Mushroom, ça va évidemment vous rappeler des bons souvenirs pour ceux qui me suivaient. Et du coup, ce sera vers là-bas que Roros est installé. Petit poney. Putain, mais là, les thalassophobes en sueur. Hein. Y a aucune terre en vue, frère. Je sais pas du tout où on va. Évidemment, à l'époque, on n'était pas sur serveur. Ah bah voilà, le biome mushroom, il est là. À l'époque, on n'était pas sur serveur. Évidemment, moi, mes chunks, ils étaient à 32 chunks au maximum, ou je sais plus combien. Donc forcément, on voyait très loin. Sur serveur, c'est évidemment pas possible de faire aussi loin. Enfin, si, c'est possible, mais c'est très galère. Donc voilà. Il y a déjà de l'installation ici, là, ou quoi? Ok, on va aller voir. Donc évidemment, le biome mushroom où on avait récupéré une champignon, une vache champignon, qu'on avait sans faire exprès cisaillé, hein, on l'avait tué, hein, globalement, sans faire exprès. C'est voilà, c'est une partie triste de l'aventure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, je m'attendais à tout sauf à ça au milieu de la mer. Il y a une secte Non, c'est une machine à mob. Non, c'est quoi? Ah non, c'est une base peut-être qui est en train de se créer en fait. Ah oui, il est en train de d'enlever l'eau. Oh non. Oh non. Oh non. Oh non. Ok, c'est bon, je suis safe. En fait, c'est une. Oh. En fait, c'est une. C'est une. Guardian zone là. Une. Il y a une truc à Guardian en fait. D'accord. Oh. Ben on est chez Roros, regardez. Roros, il est sur style volante, je crois. Incroyable. Donc en fait c'est un truc de Guardian. Un temple de Guardian, voilà. Ouais, c'est ça. Et donc c'est une technique, c'est ça, pour rendre ça safe. C'est pas mal comme idée. J'ai jamais pensé à ça. Moi, il faut savoir, les temples de Guardian, c'est vraiment un des trucs de l'époque, quand c'était nouveau, que j'ai vraiment jamais fait, quoi. Je l'ai fait une fois, mais on s'est retrouvé bloqué avec Toonfou, je m'en souviens, à l'époque. Et vraiment, on l'avait jamais fait globalement, entièrement, hein. Donc voilà. On est donc chez Roros, trop stylé. Roros juste ici. Tu as pas besoin de prendre le portail du Nether finalement. Hein. Une petite balade comme ça ici, c'est parfait. En plus, il a déjà, regardez, mis un petit port là, voilà. Enfin, un petit port, si je puis dire. Plutôt pas mal. Hein. Voilà. Alors, on va pouvoir monter. Il a fait un accès, donc, ben voilà, ça n'a pas changé. Hein. C'est l'accès escalier
un petit peu redondant, ou alors sinon il y a la cascade d'eau. Mais écoutez, on va vraiment faire ça à pied jusqu'au bout, les gars. On s'est pas mouillé une seule fois, donc on va pas se mouiller maintenant. Sinon, on va lui dégueulasser son appartement là. Hein, on va lui foutre de l'eau partout et je suis pas là pour faire le ménage. Voilà. Allez, on est arrivé hop en haut. Donc, voyons voir un petit peu ce qu'il a pu faire entre temps. Bon, là, ça n'a pas changé. C'est mignon comme décoration de placer des fours. Alors, est-ce qu'ils sont fonctionnels? Ah, si, ils les utilisent quand même. Bah, ça a le côté pratique, tu les utilises quand même. Pareil pour les tables de craft, le fait d'en mettre un peu partout, c'est toujours pratique pour pouvoir crafter n'importe où. Mais en même temps, c'est intéressant parce que ça fait vraiment de la décoration. Voilà, c'est... Il fallait y penser. Voilà, il fallait y penser. Bonjour, petit loup. Fais attention à toi quand même. C'est beau, hein. C'est vraiment beau. Ok, il s'est fait des piégeuses. Il a des maps carte au trésor ici. Ah, 3 strings. Roros, qu'est-ce que tu fais? Tu nous caches des choses. Donc, ça n'a pas changé. La ferme à bambou. Ferme à fer. Ferme à patate. Ça n'a pas changé. Là, c'est toujours autant la hesse. Ici, sa salle des coffres. Absolument magnifique. Hein, vraiment, pour le coup, c'est absolument magnifique. Wow, c'est vraiment chouette. Je me demande ce qu'il fait Roros actuellement, parce que c'est vrai qu'il est beaucoup connecté sur le serveur, mais là pour moi c'est pas nouveau. Alors il est peut-être en train de faire d'autres projets. Ah bah si, mais voilà. Voilà ce qu'il est en train de faire en fait. Magnifique. Donc là, tous ces villageois qui travaillent. Mending, allez hop, ça part. Impec. Bon alors si jamais j'ai plus proche hein, chez moi, hein, j'ai l'X qui est à côté de ma base qui a également ça. Pour moins cher je crois même. Hein. Allez, à mon tour, je travaille moi aussi. Voilà. Wouah, bâtard, c'est beau. Il a fait un aquarium tout autour. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est je pense, si je dis pas de bêtises, c'est que les poissons vont pas en haut. Parce que Minecraft c'est un peu nul. Ça aurait été génial qu'ils passent par au-dessus. Je pense que c'est... Ils sont un petit peu débiles et ils passeront jamais par au-dessus. Mais ouais, trop bien. Ah mais il y a même des grenouilles. Ah mais en fait il n'y a pas de l'eau tout autour. Oui donc c'est normal que les poissons... Ah mais oui, l'eau elle s'arrête là en fait. D'accord, non j'ai rien dit du coup. Ça aurait été bien que ce soit inondé d'eau tout autour. Alors il aurait pas pu mettre les lianes. Mais les poissons auraient pu tourner autour, ça aurait été chouette. Trop stylé. Trop stylé. Bonjour. On a un vendeur de bambou. Très bien. Ok, c'est vraiment chouette. C'est vraiment ça, c'est ce que je rêvais de faire en fait dans ma base. Et au final bah, j'ai jamais réussi à le faire. Waouh. Alors attends, on a un accès ici. On a un accès ici. Ok. Ah. Non mais attendez, il y a trop de chemin. Ça part dans tous les sens. Ok, là c'est... Ok, on est juste au-dessus, c'est pour aller dans le nether. Très bien, d'accord. Ok, donc ça au moins on sait. Ils font beaucoup de bruit les villageois par contre, hein. Ça c'est un petit problème. Là on a... Bonjour monsieur. Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mince, attendez, je veux faire des petits screenshots. C'est beau. Hop, voilà, petit screenshot. Je vais enlever le F1 parce que c'est joli sans F1 comme ça, voilà. Donc, revenons par ici. Donc on vient de là. Là on a toujours cette petite salle toute mignonne, toute cosy. Une petite chambre d'amis éventuellement. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il a prévu de faire ici. Peut-être une sex room, hein, je ne sais pas. Qui sait. Roros des fois il a des idées, hein. Voilà, je ne peux pas tout contrôler forcément. Donc là ça n'a pas changé, c'est surtout ce qu'on a vu hein, qui était vraiment nouveau. Par contre j'entends un zombie donc c'est pas très rassurant. C'est vraiment 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 chouette hein, pour le coup. C'est un plaisir de voir ça sur le serveur. Moins 1192. Alors malheureusement je sais pas du tout où sont installés les autres acolytes. Donc écoutez bon ça tombe bien, je vais faire un textuel sur le Discord. Et puis à ce moment là eh bien, comme ça ils pourront mettre un peu leurs coordonnées. Et pour de prochaines vidéos éventuellement pour aller voir les bases des autres. Parce que pour le moment c'est vrai que les bases que vous avez vues c'est celles de Fox, Lix, Roros. Et bon moi évidemment. Et My Godness bien sûr. Il y avait également qui Lix je l'ai déjà dit. Bah il était au camion voilà. Mais après il y a les autres également. Où sont-ils installés? C'est une bonne question. En tout cas les amis sur ce magnifique coucher de soleil les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas n'oubliez pas le pouce bleu. C'est la petite récompense tranquillement voilà. Et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Plein de bisous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.